La principale nouveauté sur le centre Peugeot, c'est la 208 restylée, et c'est d'autant plus important que la 208 est sur le marché français le deuxième véhicule le plus vendu après la Renault Clio. Peugeot d'ailleurs est assez fier d'annoncer qu'ils auront bientôt fabriqué 1 million de Peugeot 208 depuis le lancement. Alors en ce qui concerne le restylage, on trouve une nouvelle calandre, de nouveaux phares et de nouveaux antibrouillards. Alors pareil, les feux arrière évoluent. En ce qui concerne les équipements à bord, on trouve désormais une caméra de recul et un système de freinage d'urgence automatique. Il y a aussi de nouvelles possibilités de personnalisation, exemple avec les rétroviseurs qui sont désormais chromés dès le troisième niveau de finition. Alors, en ce qui concerne le chapitre technique, Peugeot annonce l'arrivée d'un nouveau 1,6 litre Blue HDI de 100 chevaux qui n'émet que 79 g de CO2 par kilomètre. Mais le plus intéressant selon nous, c'est l'arrivée du nouveau moteur 3 cylindres essence 1,2 litre turbo. C'est le 1,2 litre PureTech qui fait 110 chevaux et qui remplace avantageusement, on en est à peu près sûr, le 1,6 litre VTI de 120 chevaux. Et enfin, pour conduire ce modèle, il faudra attendre le mois de juin.